Bah tu vois, Jeanne, c'est ça dont je te parlais, le test de Rorschach. Ah, oh, papillon ! À quoi ça sert ? Ah bah c'est un test. C'est-à-dire que chacun l'interprète différemment. Mais viens dans mon bureau, j'en ai des mieux. Attends. Tiens, là, j'ai une larve, là. Tu crois que ça va faire un joli papillon, ça, sur le psychologue ? Si, il y a un peu. Oui, j'ai toujours été passionné par la psychologie. Ah bah, dès mon plus jeune âge, j'ai toujours su que je deviendrais un acteur social. Eh ben moi, j'aime rien à fond, en fait. Je suis comme une truite qui doute devant l'hameçon, comme me disent mes copines. Ah oui, bien sûr. Mais la psychologie, justement, peut te permettre d'assumer cette passion. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Non. Non, moi, ce qu'il me faudrait, en fait, c'est juste un mi-temps, tu vois. Ce serait plus pratique pour les enfants. Ah oui, bien sûr. Oui. Enfin, ce qu'il te faudrait surtout, c'est quelqu'un sur qui tu puisses compter. Oui. Ah non, moi, ce que j'aime vraiment bien, c'est les romans photos. Alors ça me vide la tête. Ouh là là. Ah oui, les romans en photo. Ouais. Je suis pas un pro, mais je veux bien apprendre. Tu m'en montreras? Ah oui. Tu penses à quelque chose, là? Non. Eh ben, c'est pas gagné, hein. Non. Donc, je te disais que si tu as besoin d'un soutien psychologique... Jeanne? Hein? Oui, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mais quoi? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux tirer un coup, quoi? C'est ça? Non, oui. Oh, enfin, faudrait qu'on en parle. Je préférerais qu'on le fasse avant qu'on en parle, si tu vois ce que je veux dire, le débat après le film, quoi. Ah bah, je sais plus quoi dire. Mais moi, je sais. Je te donne rendez-vous dans 5 minutes dans le local EDF, tu laves ton petit oiseau et tu me rejoins. Oh là là, faut que je prenne un petit kawa, moi, ça va me calmer là. Oh là là, ça sent la grosse gourmande, j'en ai déjà eu des comme ça. Limite, ça fait peur, hein, faut que j'assure. Oh, je viens d'être témoin d'une chose terrible, une chose épouvantable. Non, pas maintenant, Maïva. J'ai envie de mourir, Serge. Non, Maïva, pas maintenant. Pas maintenant, Maïva. Courage, Maïva, pas maintenant. Lâche-moi, Maïva, merde. Il est tombé juste devant moi, je marchais, il est tombé du 8e, j'ai tout vu. Mais oui, mais en même temps, tu le connaissais pas. Mais j'aurais pas pu le reconnaître, il est tombé la tête la première. Ah, ben comme ça, il a pas souffert. Oh, ça faisait un gros tas, il y avait juste les pieds qui dépassaient, il faisait du 46. 46. Ah, oh, mes chaussures. Oh, bah tiens, je dois les amener chez le cordonnier. C'est quoi, j'avais complètement oublié, hein. Merci, Maïva, hein. Non, allez, à bientôt. Je toute seule, hey. Je suis choquée. Oui, le local, à poubelle. Il y avait un oncle qui faisait du 46. D'accord, reste tombé. C'est pas grave. Ah, Jeanne. Hey, je suis désolé, j'ai pas trouvé le local EDF. C'est pas grave, j'ai plus envie. Hein? Mais attends, on peut faire ça ce soir. Mais c'est pas grave. J'ai plus envie. Oh, elle est chaude. Oh, je vais me la faire.